Comme promis, on se retrouve pour tester les jeux au café de la place dans la communauté métavers. Tout d'abord, le billard. Donc il y a toujours un tout petit temps de chargement. Voilà. Alors certains jeux sont... On peut jouer à plusieurs, mais j'ai pas testé... Je disais, je n'ai pas testé les jeux où on peut jouer à plusieurs joueurs. Il faudra essayer par vous-même. Et dans le fond de la salle, vous avez les jeux d'arcade. Ici, on a Mario Kart des années 90. Il faut aller tout en bas de la page.
Voilà, c'est un petit jeu bien sympa. Là, sur l'établi, un jeu de poker. Je sais plus comment ça fonctionne. Ça, on peut jouer à plusieurs. Voilà, il faut rentrer un nom et c'est des jeux où on crée un salon et on invite via un lien les participants. Un autre grand classique du rétro gaming, Space Invader. Ah, je sais plus comment on le lance. Voilà. Je me suis fait avoir le premier coup. Astéroïde, qui est un jeu très simple mais vraiment sympa. On a un autre grand classique, Donkey Kong. Pac-Man. J'ai pas trouvé le bon bouton. Il faut regarder dans les commandes du jeu. Je sais pas si on peut les voir. Ah si, c'est bon. Voilà, ça fonctionne. Voilà, il fallait juste être un peu patient le temps que ça se charge. Et enfin, un jeu d'arcade. Ouais, un autre jeu bien sympa. Mmh.
Voilà, on a fini le tour. J'ai mis plusieurs flippers et plusieurs baby-foot au cas où. Voilà, la plupart des jeux sont accessibles et du coup, si vous avez un bureau virtuel, une maison dans la communauté, vous pouvez me demander de vous installer un des jeux directement à demeure. Voilà, à bientôt!